C'est ce vendredi 29 août à 18h que les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody prennent fin. La veille de cette date butoir, hier donc, les étudiants retardataires se bousculaient pour se mettre en règle. La scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a donc connu une grande affluence. Ils n'ont que deux jours pour s'inscrire et demeurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants retardataires ont pris d'assaut les différents guichets pour les inscriptions de l'année académique 2013-2014. Bousculade, impatience à la scolarité centrale. Les étudiants remplissent les formalités d'inscription ce jeudi 28 août, veille de la date butoir. Étant en voyage, c'est, disons, ce dimanche, pendant le journal télévisé, que j'apprends que le dernier délai des inscriptions, c'est ce vendredi 29. Voilà, donc je suis là pour essayer de finaliser mon inscription. J'ai payé mon inscription à la banque il y a maintenant 3 semaines de cela. Maintenant, ce qui me reste, c'est la finalisation. Et c'est ce qui cause problème. Vous voyez cette foule qui est là. Je me réjouis parce que voilà, là, je viens de finir le processus et j'ai maintenant ma carte d'étudiant. Je suis donc dans le fichier de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis vraiment très heureux. Plusieurs moyens sont déployés par les responsables de l'université pour accueillir le maximum d'étudiants. Un amphi est même transformé pour la circonstance. Nous savons que les étudiants viendraient, donc il fallait accroître notre capacité d'accueil et de production des cartes. Les moyens ont été à la hauteur de l'attente et nous pouvons dire que les résultats escomptés sont là. Il nous restait 17 000 étudiants à pêcher. En ce moment, nous en sommes, pour les inscrits, à peu près à 8 000. Il reste donc 9 000 à pêcher. Je répète avec force, au soir du vendredi 29 août 2014, ceux qui ne se seront pas inscrits ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont démarré le 8 janvier 2014. Elles concernent tous les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014.